Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de DistroKid et notamment je vais tout simplement vous faire un tutoriel de A à Z sur DistroKid, c'est-à-dire de l'inscription à le fait de mettre un son sur toutes les plateformes et aussi comment encaisser son argent. DistroKid c'est quoi? C'est un distributeur qui permet tout simplement à tous les artistes indépendants, c'est-à-dire les artistes qui ne sont pas signés chez des labels, de pouvoir mettre leur musique sur toutes les plateformes. Alors le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi c'est important d'avoir ces musiques sur toutes les plateformes. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une offre variée de plateformes de streaming et on va avoir simplement différentes personnes qui vont utiliser différentes plateformes. Si vous avez qu'à poser la question à vos amis, voilà, tu vas leur demander qu'est-ce que toi tu utilises pour écouter ta musique. T'en as un, il va te dire, moi j'utilise Deezer parce que c'est français et que j'aime bien l'interface. T'en as un autre qui va te dire, moi j'utilise Spotify. L'autre, il va te dire, moi c'est YouTube. Eh bien, ce qui est bien, c'est que si tu es sur toutes les plateformes, tu peux leur dire, il n'y a pas de problème, moi mon projet musical, il est partout, tu peux l'écouter sur toutes les plateformes. Donc j'avais fait une vidéo et je pense que c'était l'un des premiers tutos sur DistroKid il y a 5 ans maintenant. Qui a tapé les 100 000 vues, donc c'était comment distribuer sa musique sur DistroKid. À l'époque, c'était les débuts de DistroKid. Les artistes indépendants commençaient aussi à découvrir les distributeurs. Aujourd'hui, il y en a vraiment plein. Mais voilà, moi vraiment, je suis resté sur 5-6 ans d'utilisation sur DistroKid. J'ai jamais eu de problème. J'ai sorti une trentaine de sons avec, j'ai sorti mon album. Donc moi, je continue de l'utiliser. Et c'est aussi sur le marché des distributeurs l'un des moins chers. L'un des moins chers. Donc, je vais vous faire un tutoriel de A à Z et je vais vous montrer tout simplement l'inscription. On va tout faire de A à Z. Avant de commencer du coup, j'aimerais vous parler du coup du prix que ça coûte DistroKid. Pourquoi c'est le moins cher? Tout simplement parce qu'il est à 19,99$ par an, d'accord? Donc ça c'est vraiment pas cher du tout, ça vous fait 1$ et quelques, 1,5$, 1,5$ par mois. Et en plus, je vous propose, bien sûr, comme je vous ai dit, je vais commencer à faire un peu plus d'affiliation, etc. Mon petit lien affilié, dans la description, vous avez moins 7% sur l'inscription sur la première année. Donc, je passe par mon lien, du coup, VIP pour avoir les moins 7% et je vais m'inscrire tout de suite sur DistroKid. Alors, je vous fais un petit... par rapport aux vidéos que je vais faire sur YouTube, je vais pas activer les commentaires parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait 5 ans que j'ai mis cette vidéo sur DistroKid. Et si vous voulez, ma boîte mail, c'est devenu le support client DistroKid. C'est-à-dire 90% de mes messages, c'était des gens qui me disaient « J'arrive pas à faire ci, je comprends pas ça, je comprends pas ci. » Et moi, si vous voulez, là, j'ai d'autres projets que être le support client DistroKid. Donc, je vous fais une vidéo qui va essayer de vous montrer tout comme il faut. Après, voilà, si vous avez des questions, etc., je vous mettrai le support client DistroKid. Comme ça, vous pourrez leur poser les questions que vous avez directement. Donc, c'est parti. On a les moins 7%. Donc, je vais signer up avec une adresse mail directement. Comme ça, c'est fait. Une adresse Gmail. Voilà. Et là, du coup, vous avez tous les plans par rapport à DistroKid. Donc, comme je vous ai dit, le premier plan, c'est le musicien. Donc on a bien sûr les 7% qui sont activés grâce à mon petit lien. Et vous pouvez du coup mettre autant de sons que vous voulez, autant de lyrics que vous voulez. Vous avez le Spotify vérifié checkmark, donc comme quoi vous êtes un artiste vérifié. Et vous pouvez tout simplement collecter vos royalties et vous payer. Donc ça c'est vraiment l'offre la plus basique que je vous conseille, avec laquelle je vous conseille de commencer hein, si vous êtes un petit artiste. Maintenant on va parler quand même des autres offres, notamment le Musician Plus. Donc c'est 33,47 par an, notamment avec mon lien. Donc vous avez les daily streaming stats. Donc ça c'est un truc en plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir vos statistiques au jour, notamment sur Spotify. Vous allez pouvoir customiser votre label, le nom de votre label, customiser la date de release, faire une pré-order aussi, customiser le prix iTunes. Avoir customisé l'ISRC code, donc ça c'est un code à chaque fois que vous sortez un son, c'est un peu comme la carte grise d'un véhicule, c'est un code qui définit votre son et vous pouvez aller jusqu'à deux artistes, donc ça c'est pas mal si vous avez, on va dire si vous avez un petit label ou si vous êtes un collectif d'artistes, vous pouvez prendre cette option. Et après vous avez Ultimate, donc là en gros vous avez en gros ce qui augmente dans l'Ultimate, c'est vraiment les artistes quoi. Ça c'est vraiment l'offre que les labels que tu peux prendre si jamais tu veux créer un label un petit peu indépendant, 5 à 100 artistes. Bon, nous on va rester sur musicienne et on va faire Pick Me.
Voilà, et donc après, bah, faut rentrer la carte bleue, donc on se retrouve juste après. Donc c'est bon, c'est bien inscrit à DistroKid, on a payé du coup le premier mois, et du coup, eh bien, on va un petit peu naviguer sur tous les onglets, et on va déjà, pour commencer, vérifier le compte, et notamment, quand on veut uploader une musique, eh bien, il nous demande quand même de le phone number et de confirmer l'adresse, d'accord. Donc on va aller dans Add Contact Information juste ici. Et on va tout simplement vérifier notre compte. Donc, on va déjà définir un petit mot de passe. Hop, comme ça, tu configures un mot de passe. Donc, c'est parti. Donc là, il faut que tu ajoutes toutes les informations à ton compte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les informations obligatoires que tu dois rentrer. Donc, du coup, ils vont t'envoyer sur ton téléphone un petit code que tu vas devoir re-rentrer. Donc là, je l'ai bien reçu. Et du coup, ton compte est du coup maintenant bien confirmé. Donc c'est parti, on va faire un petit tour de tous les onglets. En fait, ça va être très rapide. Donc Upload Music, donc c'est là où tu vas tout simplement pouvoir mettre ta musique sur toutes les plateformes, d'accord. Donc ça, on va le faire juste après, on va mettre un son. Après, ils ont rajouté du coup une option très récemment qui est Upload Vidéo. Donc moi, personnellement, je n'utilise pas, mais ça, c'est DistroVid. Donc ils ont créé une nouvelle plateforme carrément qui s'appelle DistroVid pour tout simplement mettre tes musiques sur Vevo, Amazon Music, etc. Personnellement, moi, je suis pas encore un gros artiste à faire des clips vidéo, à avoir le budget pour faire des clips vidéo. Donc ça m'intéresse pas. Donc je vais revenir sur DistroKid. Mais en tout cas, tu as cette option, tu peux aller voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'uploader la musique. Les statistiques, donc on les a pas puisqu'on c'est pas dans notre offre. Nous, on a que la plus petite offre, la musicienne. Split, donc le split c'est quoi? C'est tout simplement le jour où tu fais une collab avec DistroKid. Donc ça sera dans une vidéo, je pense, à part, une petite vidéo bonus à celle-ci où j'uploaderai un son en collab avec un chanteur et je vous montrerai comment faire le split sur un son, d'accord. Mais là, comme on va upload un son normal pour cette vidéo, eh bien je pourrais pas vous le montrer. Upgrade, donc ça c'est si jamais tu veux changer de plan en banque, c'est là où tous tes royalties, d'accord, seront stockés. Notamment tu pourras avoir tous les royalties par son, par artiste si jamais tu es un label, etc., etc. Et notamment, ce qui vous intéresse directement à vous, et c'est le truc en 5 ans, c'est toujours eu ça, c'est comment on fait pour l'argent, comment on fait pour récupérer l'argent. Donc tout simplement, on va aller dans Payout Method et on va tout simplement setup une Payout Method, c'est-à-dire j'arrive plus à parler français là depuis que je suis resté 4 ans à l'étranger. Un mode de retrait, voilà, mode de retrait pour tes royalties. Je sais qu'à un moment il y avait des vérifications à faire, notamment fallait envoyer son passeport ou je sais plus quoi. Et bien ça tombe bien puisqu'on va le refaire, on va pouvoir voir si c'est toujours d'actualité. Donc adapt your Tipalti settings. Donc Tipalti maintenant c'est le moyen qui va te permettre de retirer tes royalties sur DistroKid. Hein. Ça a pas mal changé dans les 5 dernières années. Donc il nous demande notre mot de passe, on va rentrer le mot de passe, continue. Et voilà, donc ça n'a pas changé, il faut toujours rentrer la tax form. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite, mais on va la faire ensemble, comme ça vous allez voir, hein. C'est comme si vous pouvez me suivre aussi, hein. Vous pouvez créer votre compte en même temps et puis on essaye de le faire. Donc contact email, toujours le même. Attends, je pose ça. Voilà, le micro dans la main. Phone number. On est sur du plus 33. Ok, donc si jamais tu as rentré ton adresse un peu à l'arrache comme moi, tu confirmes et tu continues. Voilà. Ok, on est bon. Donc, paiement méthode. Tu vas avoir différents types de paiement, de mode de retrait, pardon, pour tes royalties. Tu vas avoir soit un bank transfer, donc c'est-à-dire le virement bancaire, virement SEPA. Soit tu vas avoir Wire, ce qui est une entreprise de transfert aussi. Tu vas avoir en chèque ou PayPal. Moi, je te conseille vraiment PayPal. C'est le plus simple. On a tous, je pense que si tu es un artiste, un compte PayPal, eh bien, tout simplement, on va mettre PayPal. Hop. Donc, pour te faire payer par PayPal, il faudra que tu aies minimum 1$ de royalties. D'accord ? Et tout simplement, tu auras 2% de commissions qui seront prélevées par PayPal. Donc on est en euros, si jamais tu es dans un autre pays, voilà, je sais pas si si t'es expatrié, tu peux mettre une autre currency, une autre monnaie. Et tout simplement, on va entrer
please enter your first and last name sur mon PayPal account. Donc là, tu re-rentres ton nom et prénom, tout simplement. On est bon. Donc maintenant, select your tax form. Nous sommes obligés de collecter des taxes et je crois qu'en France, on n'a pas de taxes par rapport aux royalties. Please select the tax form. Donc, il me semble que celle que l'on va devoir cocher... Regardez bien cette vidéo, hein. Je crois qu'il y a personne qui fait ce... Personne qui fait ce formulaire hein, sur YouTube en français notamment. For non US individuel, for non US corporation, for US individuel. Donc nous, on est le W8 Ben qui est qu'on n'est pas des États-Unis et on est individuel. Complete forms, c'est parti. Continue. To claim treaty benefits, please provide us your US taxpayer. Ok, donc en fait, moi, comme j'ai déjà rentré mon numéro fiscal pour moi-même, eh bien, je ne peux pas rentrer le même. Donc, je vais rentrer. J'ai demandé à ma mère, elle a gentiment accepté. Je vais rentrer son numéro fiscal. Comme ça, c'est comme si je créais un compte à ma mère. Donc, normalement, le numéro fiscal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numéros. Ok, donc là, on est bon là-dessus. Hop. Et tout simplement, je vais mettre France. Voilà, donc continue. Continue. Tac. Tu vérifies que toutes tes informations sont bonnes. Continue. Et donc, dernier truc qu'il faut faire, c'est cocher tout simplement toutes les petites cases qui dit que je déclare que j'ai bien examiné tout. Si on fait submit form, normalement, c'est assez long, hein. C'est vraiment assez long à faire. En vrai, j'avais oublié que c'était assez long. Et là, je pense que your payout method has been updated. Donc ça, normalement, ça veut dire que c'est bon. On a bien rempli la tax form W8 Ben et on devrait, si jamais, d'accord, il y a des royalties, toucher tout simplement nos royalties. Ok, donc quand tu as fait toutes ces étapes-là, qui est bah, de remplir les informations de ton compte et remplir aussi la tax form, W8 Ben en voyant ton numéro fiscal soit de toi si tu es un adulte soit de tes parents pour tout simplement toucher tes royalties et du coup connecter aussi ton compte PayPal, eh bien tu peux tout simplement uploader, mettre une musique sur toutes les plateformes avec ton nom d'artiste. Donc c'est parti, on va faire upload musique et tout simplement je vais te sortir une musique pour te montrer tout simplement les différentes choses à faire. Donc, c'est parti, upload musique. Donc, on a tous les services. Donc là, tu vois, c'est la centaine vraiment de plateformes sur lesquelles DistroKid va mettre ton son. Donc, on a les principales, Spotify, Apple Music, Instagram, Facebook, Amazon, iTunes, YouTube Music, Tidal, Deezer, etc., etc. Et on va rajouter Snapchat, d'accord. Donc ça, yes, j'obtiens tous les droits de publishing. Hop, on va rajouter Snapchat. Donc là, tu vas choisir maintenant le nombre de sons, d'accord ? À savoir que un IP, d'accord, c'est 7 sons. Un IP, c'est 6 sons. Et à partir de 7 sons, c'est-à-dire si tu veux sortir 7 sons en même temps, ça va être considéré comme un album, d'accord ? C'est pour ça que Kanye West, il fait des albums à 7 sons. 7 sons, c'est un album, d'accord ? Si tu sors que 6 sons, ça sera considéré comme un IP, d'accord ? Donc ça, c'est très important à savoir. Si jamais tu veux sortir un IP ou un album, ne te gourre pas sur le chiffre. D'accord, 6 sons, c'est un IP. À partir de 7 sons, ça devient un album. Nous, on va juste sortir un single, un son, ok, pour te montrer ça. Est-ce qu'il a été sorti avant ? Non, d'accord. Ton nom d'artiste. Et alors là, attention les gars, parce que je vais vraiment être très... je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Vous êtes trop nombreux à prendre un nom d'artiste trop banal, d'accord ? Ce qui fait que quand vous sortez un son, votre son se retrouve sur la page d'un autre artiste, enfin du même artiste qui a déjà pris le même nom que vous. D'accord, donc soyez un petit peu original. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Spotify et de prendre un nom d'artiste que personne n'a. De tout simplement vérifier que ce nom d'artiste est valable. D'accord, moi par exemple, mon nom d'artiste c'est Casus. Je tape Casus. Je suis le seul Casus. D'accord, il y a Casus, C-A-S-U-S. Mais c'est tout. Tu vois, après, voilà. Donc quand tu cliques sur moi, tu es sur Casus. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas 300 000. Par exemple, si tu veux t'appeler Nexus, je suis sûr que Nexus, tu vois, bon, il y a Nexus, Nexus Entite, Nexus 6, Nexus 4, Nexus Production.
ça fait beaucoup, tu vois, ça peut se mélanger. Donc prenez un, je sais pas, par exemple, un truc Pandore, je sais pas, Pandore, il va y en avoir pas mal. Pandore, Pandora, tu vois, il y a deux Pandora, tu vois. Donc déjà, il y a trois Pandora, tu vois. Donc si tu t'appelles Pandora, bah t'as trois chances. Si toi, tu deviens le quatrième Pandora, donc t'as trois chances sur quatre que le son tombe soit sur elle, d'accord, soit sur elle avec un S, soit sur lui, d'accord. Donc essaye de prendre un nom d'artiste original et au moins t'es sûr que t'auras une page Spotify et tu seras le seul dessus, ok. Donc nous, comment on peut s'appeler pour notre nom d'artiste? On va essayer, tiens, on va s'appeler les Saltimbanques, tiens. Est-ce que quelqu'un s'appelle Saltimbanques? Jack NG et ses joyeux Saltimbanques. Non, tu vois, il n'y a personne. Les Sales Majestés, Saltimbancos, il n'y a pas les Saltimbanques. Hop, j'ai mal écrit, Saltimbanques. Kinve qui a sorti un son, le Saltimbanque. Maxime Le Forestier, le Capote. Saltimbanquis. Mais bon, ça va pas nous inquiéter. Bon, ben, allez, c'est parti. On va s'appeler Saltimbanque pour notre nom d'artiste. Hop. Alors, je rappelle que je fais un compte. Je crée tout de A à Z. Donc, c'est pour vous montrer. Hein. Là, c'est un nouveau nom d'artiste que je prends. Donc, là, ils vous disent seulement de mettre votre nom d'artiste et de ne pas utiliser d'emoji. Si jamais tu avais l'intention d'avoir un nom d'artiste avec un emoji, bah non, ok. Est-ce que l'artiste est déjà dans Spotify? Donc, si jamais tu as déjà, par le passé, sorti des choses, soit par un label, soit par un autre distributeur, tu peux rentrer, d'accord, l'URL, l'URI, on appelle ça, de ton nom d'artiste Spotify. L'URI se trouve, je vais te montrer, hop, partager, copier le lien de l'artiste, d'accord, ça c'est l'URI, que tu peux rentrer ici, si jamais tu as déjà, d'accord, une page Spotify. Pareil pour Apple Music, si jamais tu as déjà une page à ton nom d'artiste, tu peux rentrer l'URL, pareil pour YouTube Music, pareil pour Instagram, pareil pour Facebook, d'accord. Nous là, comme on crée tout, tout de A à Z, d'accord, on va mettre no, I don't have Spotify, no, je n'ai pas iTunes, non, je n'ai pas YouTube Music. Non, je n'ai pas Instagram. Non, je n'ai pas Facebook. D'accord ? Après, du coup, la release date, bon, ben ça, on ne peut pas choisir puisqu'on n'a pas le musicien plus. D'accord ? Donc, ça va sortir. Dès que tu vas l'envoyer, ça va sortir dans les 1 à 2 jours ou 2-3 jours. Pré-order, pareil, il faut upgrade hein, pour avoir toutes ces options-là. Et pareil, changer le nom de ton label. C'est pareil, il faut upgrader au niveau de l'offre DistroKid. L'album cover, donc l'optimal size, c'est 3000x3000, d'accord, en JPEG ou PNG ou GIF extension. Et donc, ils te disent que il faut pas que ça soit flou, il faut pas que ça soit non plus des images, voilà, tu vas pas mettre une image porno, bien sûr que ça va être rejeté, c'est un peu intelligent. Artwork, pareil, une image qui a un site URL, si tu veux mettre ton URL de site sur ton artwork, eh ben ne le fais pas, puisque ça sera rejeté. Faut pas que ça soit pixelisé, faut pas que ça soit de qualité pauvre. Faut pas qu'il y ait un prix sur ton artwork. Comment on va faire donc je te fais un petit artwork et je reviens dans 2 minutes. C'est parti, du coup on va l'insérer sur Spotify. Voilà, c'est un tapang magnifique. La langue de notre son, ça sera anglais. Comme j'ai choisi un vieux son Casus hein, que j'ai jamais sorti. Voilà, et tu mets primary genre, c'est si tu fais de la musique électronique, mais bien électronique, d'accord, comme ça, ils savent que c'est de la musique électronique. Subgenre, ça sera de la house, et voilà, et après tu peux sélectionner un secondary genre, mais là ça nous va. Le son, il va s'appeler Prism, ça c'est un vieux son Casus que j'ai jamais sorti et qui ne sortira certainement, ben, il sortira sous le nom de Saltimbanque, hein, voilà. Add featured artist to song title, donc ça c'est si jamais t'as fait un featuring, mais ça d'ailleurs, d'accord, je t'ai dit que j'allais faire une autre vidéo pour te montrer le featuring, donc là on est tout seul dessus. Est-ce qu'il y a une radio edit ou quoi que ce soit sur ton son? Nom, le son il est comme ça, et je vais vous faire écouter du coup le son vite fait. Donc voilà, c'est celui-là que je vais sortir.
Date de 2020. Dolby Atmos spatial. Donc ça, c'est si jamais tu as fait le Dolby, c'est en 5 points, 7 points. Ceux qui ont fait du sound design, c'est... si tu as jamais ton son, il est spatialisé pour, par exemple, les trucs de cinéma, etc. Non. Donc, songwriter, donc je suis le seul à avoir écrit, d'accord, ce son. Si jamais c'est un cover, d'accord, et ça c'est un nouveau truc aussi qui est apparu sur DistroKid, c'est que tu peux release des covers. C'est comme ça d'ailleurs que tu as beaucoup de covers slap house. Et moi d'ailleurs j'en ai fait un aussi sur First Class. C'est-à-dire que si jamais tu fais un cover d'un son qui est déjà sorti et tu le transformes, tu le remixes un petit peu dans les nouveaux genres, eh bien, tu peux sortir ça sur Spotify. Sur Spotify par DistroKid. D'accord ? Et ça te demande d'acheter tout simplement une licence, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que la vidéo, sinon, va être trop longue. Mais nous, on a bien écrit le son. On est les auteurs du son. Là, tu mets Music and Lyrics. Donc, c'est toi qui as fait Music and Lyrics. Et tu mets tout simplement ton first name pour copyrighter ton son voilà, avec ton vrai nom et prénom. Explicit lyrics, donc nous il n'y a pas de lyrics. Est-ce qu'ils sont explicites? Non, d'accord. Si jamais tu as un son où tu dis fuck, 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 bah là tu mets yes. Mais là, nous c'est que de la musique électronique, donc non. Est-ce que c'est radio edit? Donc non. Est-ce que c'est une instrumentale? Donc dans mon son, il y a un passage où j'ai quelques lyrics, donc oui, il y a des petites lyrics. Si jamais c'est juste un son où il n'y a rien, il n'y a pas de voix, tu peux mettre instrumental sans lyrics. Et tout simplement, là on va choisir à quel moment on va mettre le passage, c'est-à-dire le passage audio où les gens peuvent écouter un extrait de ta musique. Donc on va aller voir ça. Ce que je te conseille de faire, c'est de le mettre juste avant le drop. Voilà, donc on va le mettre à 0,29, tu vois, comme le drop part vers 0,29. Voilà, comme ça sur Instagram, tu sais, les gens, ils aiment bien quand tu as direct le drop. Eh bien là, on va mettre 0,0029, voilà. Donc le prix sera sur iTunes de 0,99. Et enfin, tu vas avoir du coup des extras, des options par rapport à ta release. Donc Discovery Pack, ça va te coûter par son 0,99 centimes par an, par son. D'accord ? Donc ça veut dire que ça va être un abonnement que tu prends pour que ton track il soit ajouté à une database de catalogue. Le Billboard Chart, etc. Moi, personnellement, je le prends pas, d'accord ? Je le prends pas. Mon son, il est déjà sur toutes les plateformes, c'est déjà bien. Tu peux aussi prendre un abonnement à Beatport, d'accord ? Donc, c'est 9,99 par mois. Donc, tes sons seront sur la plateforme Beatport. YouTube Content ID, YouTube Créateur. Donc, ça, c'est pour que ton son soit reconnu. C'est-à-dire, si jamais un gros YouTuber, par exemple, utilise ta musique, eh bien, tout simplement, YouTube va le copyrighter avec le Content ID et tu toucheras des revenus. Ça, c'est toi qui vois. Moi, personnellement, je le fais pas parce que je me dis que si quelqu'un veut utiliser ma musique, eh bien qu'il l'utilise, qu'il monétise sa vidéo et qu'il touche ses revenus tant qu'il m'identifie dans la description. Alors après, il y a des gens qui ne le font pas, mais je pense que c'est un échange donnant-donnant. C'est-à-dire qu'un gros YouTuber qui utilise ta musique, eh bien, il te cite ton projet et en échange, lui peut monétiser sa vidéo. C'est une vision. Personnellement, moi, c'est ma vision. Vous faites comme vous voulez. Store Maximizer, c'est 7,95 par an. C'est-à-dire que s'il y a des nouvelles plateformes de streaming, eh bien, DistroKid va ajouter ton son directement. Tu n'auras pas à le faire manuellement. Personnellement, moi, ça, je ne le prends pas. Je préfère le faire manuellement s'il y a une nouvelle plateforme. Parce que, de toute façon, il n'y en a pas non plus. Il y en a des nouvelles. Hein. Allez, je veux dire, il y en a une par an qui s'ajoute. Bon, tu prends 30 minutes et t'ajoutes, si t'as un gros catalogue de sons, t'ajoutes tous tes sons à la nouvelle plateforme. Social Phone Number, alors ça, j'ai pas du tout compris ce que c'était. En gros, ça envoie un SMS, si ton son sort, j'en sais rien. Bref, c'est un peu scammy, ça, je le prends pas. Loudness Normalisation, donc ça, c'est un paiement en une fois. Par rapport à Spotify, ça te fait moins 14 dB. Bref, si t'as fait, c'est toi qui vois. Hein. Si ton son il est bien mixé et tu trouves qu'il est, il a un bon master, voilà, tu peux le faire. J'ai jamais essayé. Moi personnellement, mes sons ils sont mixés, masterisés à ma sauce, donc je les laisse comme ça. Même si je sais que les plateformes, notamment comme Spotify, ils te mettent un EQ sur le son, t'as moins de basse, etc. Tidal Master, c'est pareil, le master Tidal. Et enfin, le Live A Legacy. Donc ça, vraiment, si t'es une grosse star, hein, mais c'est-à-dire que DistroKid ne va jamais supprimer ton single des plateformes.
tu vas continuer à toucher tes royalties. Et tu pourras tout simplement, c'est comme un petit peu quand tu vas chez le notaire et que tu fais le testament de « Ok, bon, ben, imagine, c'est vrai, imaginons tu fais un son qui tape, qui fait 100 000 euros par an, d'accord ? Ben, pourquoi pas le prendre, ça te coûte 29 euros en une fois. Comme ça, si jamais tu meurs, je te le souhaite pas, là, c'est un peu glauque, mais si jamais tu meurs, eh ben, tu pourras léguer ton son à ta famille, ta sœur, ta mère, ton père, etc., etc. » Une fois du coup que tu as choisi des options, personnellement on prend rien du tout, et eh bien tu vas devoir cocher 5 petites cases. Donc je comprends que ça sera sur YouTube Music dans le store, d'accord ? Et que ça sera pas sur ma chaîne YouTube, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu vas mettre ta musique avec DistroKid, il y aura deux plateformes où il faudra que tu fasses un upload manuel, d'accord, de ta musique. Ça sera YouTube, donc ta chaîne YouTube, et ton SoundCloud. Ton SoundCloud et aussi pourquoi pas toutes les autres plateformes un peu libres du style Audius ou Bandcamp. Tu vois, moi, c'est les plateformes sur lesquelles je vais faire un upload manuel. Sinon, tout le reste, c'est DistroKid qui va gérer l'upload sur les plateformes, ces plateformes de streaming là. J'ai Snapchat, oui. J'ai bien recordé de ma musique et je suis autorisé à le mettre. Bien sûr, hein, ne vole pas la musique de quelqu'un d'autre. Pourrait arriver des problèmes. Là, on a bien produit cette musique. J'ai le projet. Voilà, je suis bien, j'ai bien fait ma musique de A à Z, quoi. J'utilise pas d'autres noms d'artistes, d'accord, dans le titre, etc. J'utilise pas, oui, ça c'est bon. Et j'ai bien lu tous les termes de DistroKid. Eh bien, on est bon, les amis. On va cliquer sur Down. Et c'est parti. L'artwork qui se charge et du coup ta musique. Et tout simplement, tu vas pouvoir avoir donc Saltimbanque, Prism. On est bon. Donc là, ils te disent que ça devrait mettre à peu près une semaine, d'accord, pour sortir à peu près 5 jours, 5 business days, ok. Donc on va voir, là on est lundi 5 décembre, on va voir combien de jours ça met. Et tout simplement, eh bien, tu peux déjà partager à tes abonnés la petite preview, d'accord. Donc tu peux partager ça, donc ils te mettent le lien ici, tu peux partager ça à tes abonnés pour dire ok, il va y avoir un son qui va sortir très très prochainement. Et tout simplement, bah voilà, c'est une petite prévue de ton son. Voilà. Et bien une fois que tout ça c'est fait, d'accord, je vais vous montrer comment. Donc voilà, donc tu vas dans My Music, d'accord, My Music, et tu vas avoir ton son ici, Saltimbanque, Prism, qui est sorti. Hop, donc ça, c'est toutes les plateformes sur lesquelles il va aller. Voilà, Prism par Saltimbanque. C'est en train de process. Donc Saltimbanque, l'artwork est bon, le son, il est good. Là, il n'y a rien de spécial, c'est juste là. Donc Play in Lyrics, ça va être tout simplement, si jamais tu as fait un son avec des lyrics, d'accord, eh bien, tu vas devoir rentrer, tu vas pouvoir, tu n'es pas obligé, mais tu vas pouvoir rentrer tes lyrics. Donc, il y a quelques règles à respecter pour rentrer tes lyrics. Ne pas inclure le nom du vocaliste. Pas mettre intro, chorus, etc. Faut pas que tu écrives non plus chorus x2. Tu vois, il faut que tu écrives, par exemple, par exemple, là, nous, notre son, ça va faire baby x 10 fois. On va pas mettre baby x 10. Il faut mettre 10 fois à la ligne baby. D'accord ? Faut que tu commences chaque ligne avec une capitale. Ne pas utiliser de ponctuation à la fin d'une ligne, d'accord ? Ne pas mettre une blanche ligne, sauf entre les couplets et le refrain, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que tu sautes une ligne entre les couplets et le refrain. Et ne mets pas de longue ligne, d'accord ? Essaye de faire une phrase par ligne et après tu vas à la ligne. Don't censor les explicit words, c'est-à-dire si tu dis fuck ou tu dis pute, comme c'est beaucoup dit en France. Eh bien, tu mets pas les petits points, tu mets vraiment pute, voilà. Et voilà. Donc nous, c'est baby fois. Je sais plus. Franchement là, on est vraiment des saltimbanques parce que je sais même plus combien de fois on l'a mis. Je vais le mettre 3-4 fois. Hop, copier-coller. Hop, à la ligne.
Voilà, une fois que tu as bien rentré tes lyrics, ils vont devoir être aussi vérifiés et acceptés. Ok, donc DistroKid m'a tout simplement signifié que mes lyrics étaient bien acceptés sur mon son. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est Synced Lyrics. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, pour synchroniser tes lyrics au son, eh bien, il faut que tu aies le Musician Plus, l'offre Musician Plus de DistroKid. Donc là, je ne l'ai pas parce que c'est un compte démo, mais je vais le faire sur mon autre compte Casus. Ok, donc je suis sur mon compte Casus. Je vais te montrer du coup, quand je clique sur Synced Lyrics, comment on va synchroniser tout ça. Hop, actualiser. Donc en fait, il va falloir que tu presses la barre espace, d'accord, et à chaque fois que tu changes de phrase, d'accord, de ligne, eh bien, tout simplement, tu t'arrêtes de la presser et après, tu réappuies dessus. Donc, je vais te montrer un exemple, c'est parti. Donc là, j'attends que les lyrics arrivent. Et je presse. Hop, je relâche. Nouvelle ligne. Etc, d'accord. Donc en fait voilà, tu utilises la barre espace pour synchroniser, d'accord, tes lyrics à ton son. Donc celui-là je l'ai déjà fait, d'accord, mais c'était pour te montrer un petit peu toutes les nouvelles fonctionnalités aussi sur DistroKid qui n'existaient pas il y a 4-5 ans. Voilà, et donc du coup je reprends cette vidéo 2 jours après, donc le son est bien sorti sur toutes les plateformes. Donc sur Spotify, tu peux voir que ça nous a créé une page, d'accord, à notre nom d'artiste. Donc normalement, ça devrait créer ta page, bien sûr, si tu prends un nom d'artiste que personne n'a. Ça nous a bien aussi créé une page sur Deezer, sur YouTube Music, c'est bien sorti. Sur Apple Music aussi, c'est bien sorti, etc., etc. C'est sorti sur toutes les plateformes. Donc voilà pour cette vidéo. Je t'invite à regarder des passages si jamais tu es un peu perdu. Prends bien le temps, la vidéo elle est complète, hein. Vraiment là je trouve pas de vidéo aussi complète sur YouTube, notamment en FR, en francophonie. Et puis après quand tu toucheras tes royalties, ça c'est automatique, hein. Tu auras du coup dans l'onglet banque, d'accord, les royalties qui vont s'accumuler ici, tu auras juste à cliquer sur le bouton withdrawal et tu auras du coup tes revenus qui seront virés sur ton PayPal. Voilà pour cette vidéo. Moi DistroKid, ça fait 6 ans que j'utilise, jamais été déçu, j'ai toujours été, ça a toujours fonctionné comme il se doit. Et puis n'hésite pas à utiliser mon lien dans la description pour avoir les moins 7% sur la première année de subscription. Et puis moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.